On a fait une action un peu coup de poing auprès de permanence des députés et devant la préfecture. Alors, aux permanences des députés, parce qu'on estime qu'ils se sont trompés dans le vote qu'ils ont fait pour les accords du CETA. Voici le résultat du scrutin. Votants 553, exprimés 479, majorité 240 pour, 266 contre 213. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi. Je pense qu'ils n'ont pas bien évalué le risque que prend la France en faisant ça et que va absorber le monde agricole. Il y a quelques mois, ils ont voté la loi Egalim où ils ont demandé aux agriculteurs français de produire avec des normes de haut niveau. Et là, avec l'accord du CETA, ils acceptent que des produits agricoles rentrent sur le territoire français en dessous de ces normes.